Diffusée depuis août 2018, la série Un si grand soleil rencontre un grand succès. Au cours de l'été, de nombreuses intrigues viennent perturber le quotidien des personnages principaux, comme le rapporte Télépoche. En effet, Elisabeth Bastide, Christelle Labaud, enchaînent les coups durs concernant ses investissements. La découverte d'un nouveau cadavre sur un chantier va par exemple la bouleverser. Alors que Christophe, Hubert Benhamdine, est partagé entre confesser ses crimes ou suivre sa folie meurtrière, le fleuriste pourrait bientôt être démasqué. En effet, Hugo, Bibi Tanga, est bien décidé à découvrir son identité, contrairement à ses collègues du commissariat. De son côté, Thierry, Nicolas Géroux, apprend que Nora est responsable de la mort de Vincent. Bien décidé à réintégrer le commissariat, il dénonce la jeune femme. Une décision qui va lui attirer les foudres de Lise et Hakim, qui vont l'accuser de ne pas avoir su garder le secret. Plusieurs couples vont vivre des moments compliqués. L'été risque d'être rude pour le couple Becker dans Un si grand soleil. Alors que Janet, Tonia Kinzinger, est préoccupée par la santé du père Silvio et se rapproche de lui, Becker, Yvon Bach, scène rencontre. Il va tenter de raisonner sa femme en pointant du doigt le comportement du père Silvio, mais va vite s'attirer ses foudres. Du côté de Ludo, Folco Marchi, et Margot, Clara Bott, une possible rupture vient se profiler. En effet, un conflit d'intérêts vient mettre à mal la jeune femme tandis que son compagnon minimise la situation. Hakim envisage d'ailleurs de faire part de ses doutes à Margot concernant la relation entre Ludo et Noémie. Finalement, Virgile, Fred Bianconi, devient le tuteur de Tom et une complicité s'installe entre eux. Pourtant, les confidences du jeune garçon sur ses relations familiales viennent chambouler l'homme, qui se souvient de Léa, sa fille retrouvée morte 3 ans plus tôt. Nah.